Donc avant que la vidéo commence, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à liker la vidéo. Donc là vous pouvez voir, je suis en session publique, donc nous sommes 18. Donc là vous pouvez voir, tous les joueurs ils sont un peu réunis vers là-haut. Mais bon, c'est pas ça le problème. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est y aller dans vos gestionnaires de tâches et y aller dans performance. Ensuite vous allez faire ouvrir moniteur de ressources, comme ceci. Et vous allez y aller dans GTA et suspendre le processus. Vous allez attendre 10 secondes pendant les suspendre de processus. Donc on attend 10 secondes. Et ensuite, dès que c'est fini, on va reprendre le processus comme ceci. Et là, vous allez voir, plein de joueurs vont quitter en même temps. Donc c'est pas eux qui quittent, c'est vous. Mais sinon, c'est un petit glitch, on va dire. Donc si vous voyez, je suis en session publique sur 1. Et donc voilà, vous pouvez voir que ça marche. Donc je vais y aller à mon bureau de PDG pour vous montrer et pour lancer une mission. Pour vous prouver que cela marche. Et on se retrouve. Donc là j'arrive directement à mon bureau de PDG, comme vous pouvez le voir. Donc je vais y aller sur mon PC pour vous montrer que je peux lancer une petite mission. Donc avant de y aller sur internet, je vais quand même vous prouver que nous sommes en session publique tout seul. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc hop, comme vous pouvez voir, je suis en session publique et je peux lancer des missions de véhicules. De marchandises, tout ça marche. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fera extrêmement plaisir. Ciao tout le monde.